Bonjour et bienvenue sur terredebougie.com pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les colorants vous permettant de réaliser des effets marbrés sur vos bougies. Le contenu de cette boîte intègre donc 6 colorants avec la couleur rouge, violet, bleu, vert, argent et doré. Je vais dès à présent vous montrer comment mettre en œuvre ces différents colorants. Alors, pour mettre en œuvre ces différents colorants sur vos bougies, il va falloir que vous preniez un récipient d'eau, de l'eau à 20 degrés, ça ira très bien. Et puis, il va falloir préparer en fait une bougie neutre, comme ça. Voilà, par exemple. Et donc pour ce faire, je vais prendre maintenant quelques colorants pour vous faire une démonstration. Donc pour l'exemple, je vais prendre un colorant donc rouge. Je mets quelques gouttes en surface. Voilà. Je vais ensuite prendre une autre couleur, mettons le bleu. Et vous pouvez rajouter encore une dernière couleur, mettons de l'argent. Voilà. Sachant qu'il est préférable de ne pas mettre plus que 4 couleurs. Je vais légèrement marbrer la surface. Et maintenant, je vais pouvoir tremper ma bougie. Donc le trempage de la bougie, très simple, je prends ma bougie, je l'immerge, je la tourne lentement, voilà, et je ressors. Regardez, c'est absolument magnifique. On laisse écouter la bougie à côté le temps que l'eau s'évapore et le vernis tiendra automatiquement. Je vais maintenant procéder à un autre exemple. Pour ce faire, j'ai pris un contenant un petit peu plus grand et plus haut. Voilà. Alors, le principe est exactement le même. Je en remets quelques gouttes du colorant en surface. Vous voyez immédiatement l'effet. Je vais rajouter un petit peu de violet. Parfait. Et pour finir, je vais mettre un petit peu de dorure à convenance. Laissez exprimer votre créativité comme vous l'entendez. Je mélange un petit peu, vraiment très sommairement, pour créer cet effet de marbre à la surface. Et je vais maintenant prendre une autre bougie. Donc je immerge doucement et je remonte. Alors, voici l'effet. Vous remarquerez que l'effet ne s'est propagé que sur la moitié basse de la bougie. C'est tout simplement parce que je n'ai pas mis assez de colorant en surface et c'est tout à fait volontaire pour lui donner cet effet-là. Pareil, je laisse sécher ma bougie de côté pendant quelques temps, le temps que l'eau s'évapore sur la surface de la bougie. Encore un essai. J'ai rajouté cette fois-ci du rouge. Je vais mettre du vert. Voilà. Et je vais désormais y mettre ma bougie et je remonte délicatement. Et je laisse sécher ma bougie doucement.
Après quelques minutes, vous remarquerez que le colorant est directement fixé sur la cire de vos bougies. À ce moment-là, votre marquage marbré sera stable et bien fixé sur la cire. Cette solution de colorant fonctionne très bien sur des bougies de type paraffine, mélange à bougie, soja, colza. Bien évidemment, vous pouvez aussi l'appliquer sur de la cire d'abeille. C'est possible, ça fonctionne aussi très bien. N'hésitez pas à mettre des gants, c'est un produit qui est quand même assez collant, et protégez votre plan de travail afin de ne pas le salir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire au bas de cette vidéo ou bien nous écrire sur contact@terredebougie.com. Merci, à bientôt.